moi c'est Amel Lévy, j'ai 29 ans, bientôt 30, le temps court. Je suis double championne du monde, championne d'Europe et plusieurs fois championne de France. J'ai participé aussi au Glory il y a 2 ans de ça. De l'âge de 6 ans, j'ai commencé avec mon père et depuis j'ai pas décroché. Même si lui des fois a voulu que j'arrête, mais j'ai rien lâché parce que c'est une passion et ça me colle à la peau depuis toujours. Au moment où j'ai posé mon pied dans la salle, j'ai dit en fait c'est ce sport-là que j'aime. Parce qu'il y a beaucoup de respect dans ce sport. Alors que de l'extérieur, on ne penserait pas, mais il y a beaucoup de respect. C'est un sport qui nous permet de se défouler et d'extérioriser tout ce qu'on a à l'intérieur de soi et de s'exprimer aussi. Carrément. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, les médecins ont prescrit une boxe thérapeutique. On préconisait à des gens qui étaient un peu stressés de faire de la boxe pour leur permettre de se détendre un peu plus et d'évacuer ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Mon plus beau souvenir, ça a été mon championnat du monde amateur que je suis allée disputer au Canada. Je suis arrivée là-bas et personne ne m'attendait. Tout le monde pensait que j'allais me fracasser et que j'allais me faire, entre guillemets, défoncer. Et la fille c'était la star de la ville. La salle était bondée, on criait son nom. Et au final, retourne en situation et je suis remportée le titre. Et pour moi, c'était ma première victoire, la plus grosse et première victoire et la plus méritante parce que ça m'a fait une joie énorme et ça m'a boosté dans la volonté de continuer dans ce que je faisais en fait. Quand je suis rentrée dans le monde professionnel de la boxe, c'est vrai que les femmes étaient un peu moins bien vues, on va dire. Et on avait un peu plus de mal à intégrer les femmes dans un gala de boxe. C'était un peu plus, non, c'est des combats de femmes, ça va être bidon, entre guillemets, c'est pas la peine. Aujourd'hui, il y a plus de facilité, on fait place à des organisations qui nous invitent et qui nous laissent la chance de montrer ce que les femmes valent dans ce sport. Et je trouve ça hyper, hyper bien, quoi.